Comment répondre à la question « Quels sont vos points forts et vos points faibles Alors, il faut se connaître soi-même, il faut surtout pas mentir parce que ça va se voir. Donc, il faut connaître ses limites, être honnête et dire en fait quelles sont les actions entreprises pour corriger vos lacunes, vos points à ?» améliorer. Si vous avez par exemple un problème en anglais, il faut dire, voilà, je me suis inscrit à une école pour corriger ça. Voilà.